Vous êtes en train de regarder la vidéo, on est dimanche, donc c'est le journal créatif de la semaine. Alors, aujourd'hui, je suis sur la table. Bon, vous avez vu un petit bout de queue passer, vous avez deviné qui c'était. D'habitude, je fais le journal créatif dans mon fauteuil, mais je vous montre. Voilà, je me suis fait squatter le fauteuil. Eh oui. Nous vivons chez eux. Nous ne vivons pas chez nous. C'est pas eux qui vivent chez nous. Ah ben maintenant il est descendu. Oh, tant pis, j'ai tout mis sur la table. De toute façon, il va repartir dans le fauteuil. Mais nous vivons chez eux. Oui. Tu peux aller dans le fauteuil à maman. Tu peux. Maintenant, tu peux y rester. Viens dans le fauteuil à maman. Là, allez. Ah, il faut une patience avec eux. Mais j'ai des petits namours. Là aussi, c'est une petite amour. Regardez. Hop, voilà. Bonjour. Bonjour, les copains, les copines, à maman. Ça va? Moi, ça va. C'est cool. Voilà, ça y est. Hop, le fauteuil est repris. Je vais rien dire parce que sinon. Il va vouloir redescendre. Alors, bah du coup, comme ça, vous avez en panorama derrière moi les dépôts de chouchou. Enfin, une partie. Et là, hop, là, mes broderies fleurs de l'année. Voilà. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. J'ai vu qu'il y en avait encore. Toutes les semaines, vous êtes... nombreux à venir vous inscrire sur ma chaîne, à vous abonner. J'en suis très heureuse. Et puis, ben, j'espère que ce que vous voyez sur ma chaîne vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire d'abord... Ah, excuse-moi, Fifi, ne bouge pas. Ça va aller. Non, tu pouvais rester. Ça gêne pas maman. Bon, maintenant, ça gêne maman, par contre, ta queue. Ça va être folklorique aujourd'hui. Oh, pardon, ma grosse paluche. Ça va être folklorique. Allez, bouge. Tu bouges, la queue-queue. Voilà. Elle va remonter de toute façon. Hein. Vous avez l'habitude aussi avec elle. Qu'est-ce... Oh, tiens, j'ai pas compris. Bon, ça y est, on le fera après ça. Ce que j'avais prévu de faire cette semaine. Ça y est, elle fait la fofolle. Donc, il y avait mon DP. Vous vous rappelez que la semaine dernière, bah, j'avais complètement zappé de faire mon DP. Bon, ça arrive hein, d'oublier. Hein. Certaines d'entre vous me l'ont dit. J'en ai tellement dans la tête des fois que, oups, je zappe. Alors, il y avait le DP. Après, en broderie. Bon, c'est toujours à peu près pareil chaque semaine, vous le savez. En sachant que la semaine dernière, bah, il y avait une broderie terminée, le dragon. Donc celle-là, elle n'est plus sur la liste. Cette semaine, j'avais prévu, alors, les ronds bleus de chez Lanart, les paons royaux de chez All Forest, la grenouille de Poussière d'étoiles, le toast à l'œuf de Magic Needle. Le Bouddha de poussière d'étoiles, le sale colibri de poussière d'étoiles. Oui, il y a beaucoup de poussière d'étoiles. On aime poussière d'étoiles. On aime Sabine. Le sale mystère de poussière d'étoiles. Le sale que Julia organise avec une broderie de chez All Forest. C'est le Pinky of Autumn, je crois. Ma broderie estampée du dimanche soir, mon sale maison météo, voilà, donc ça c'est une de mes créations, le sale du nouvel an, automne ou hiver, c'était le thème de cette année, en broderie normale, c'est tout, quand je dis normal, vous avez compris, parce que après il y a les achats ED. Alors, les HAED, j'en ai
Alors, la steampunk, je la compte dans les achats ED, hein, malgré que ça ne fait pas partie de ce site-là, mais c'est une grande broderie, couverture totale, donc je la mets dans les achats ED, malgré que ce n'est pas, ça ne vient pas de ce site-là. Il y avait mon achat ED, le paysage, ma japonaise, ma steampunk, et... Ça y est, j'ai oublié le nom. Je l'ai marqué. Hein. Le paysage, steampunk. Ah bah mince alors. J'ai un trou. J'ai un trou. Ça, c'est fort. Le paysage, la japonaise, la steampunk. Il y en avait. Non, ah bah non, 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 il n'y en a pas d'autres. Non. Oh là là. Fin de semaine, hein. Voilà. Et du coup, je réfléchis, ça me. Non, non, mais c'est bon, c'est ça. Le paysage, la japonaise et la steampunk. Voilà. Désolée, excusez-moi de ce trou béant qu'il y avait dans ma tête là à un moment. Et ensuite, en tricot, il y avait le débardeur de chouchou, mon pull fildard, pull camionneur. Voilà. Crochet couverture météo 2024 et couverture météo 2023. Voilà. Puisque la 2023 n'est pas terminée. Ça ne devrait plus tarder. Normalement, dans un mois, elle serait. Je pense que je l'aurais. Il faut que je l'ai terminée dans un mois. Pas le montage, peut-être pas la couture, mais tout au moins de l'avoir fini de la crocheter. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de tout ça, comme d'habitude. On va également. Alors, on va parler d'épée. On va parler diamond painting, j'ai plusieurs choses à vous dire. On va parler broderie, donc broderie, achat ED, voilà. Des achats, oui, c'est pas ma faute, je vous jure que c'est pas ma faute. tricot, voilà, et crochet. Voilà, on va parler de tout ça et puis à la fin, comme d'habitude, je vous dirai les projets de la semaine. Voilà. D'abord, on va parler d'épée, diamond painting. Alors, j'ai fait mes cases. Hop, voilà. Je pense que vous commencez à deviner ce que c'est. Voilà. Donc, j'ai fait deux cases. Je vous mets la photo, hein, c'est beaucoup mieux. J'ai fait deux cases. Je pensais en faire plus, mais bon, j'ai pas réussi. Je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi. Il y a eu quelque chose cette semaine. Je ne sais plus quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai eu de la visite et puis j'ai eu des choses, des courses, tout ça aussi à faire. Bah, comme d'habitude, hein, la vie normale. Voilà. Alors, il vous reste 2, 4, 6, il reste 8 cases. Voilà. Alors, sur les 8 cases, il reste la 1, la 2, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16. Voilà. Donc, vous, comme d'habitude, vous allez choisir 2 cases ou 3 si vous avez envie. Et suivant le temps que j'aurai, j'en ferai au moins minimum 2, et si j'arrive à en faire 3, eh bien j'en ferai 3. Voilà. Ensuite, en DP, alors j'ai marqué, ça va être, je vais vous montrer les DP de chouchou. Alors je vais vous les montrer en photo, mais avant, je vous montre, alors ma petite fille, ah ben c'est, oui, c'est ça, vendredi, ma petite fille, elle est venue. Elle n'avait pas collège l'après-midi, exceptionnellement. Il y avait un prof d'absent. Donc, ben, je l'ai gardée. Et elle m'a demandé, elle me dit, il n'y a pas du DP quelque part?
Parce qu'elle aime bien en faire. Donc, elle a fait ses deux papillons. Voilà. Vous vous rappelez, j'ai toute une série comme ça. C'est pour faire des pics. J'ai les pics, les ventouses, tout. Et après, on les met dans les fleurs, dans les plantes vertes. Voilà. Donc, elle m'a fait ses deux petits papillons. Donc, elle dit, mamie, je pourrais en prendre un pour mettre à la maison. Ben oui. Donc, la mamie, elle a commencé à coller. Et je vais lui faire le montage sur le pic, tout. Parce qu'elle veut en mettre un dans les plantes de sa maman. Voilà. Donc ça, je le ferai demain. Ensuite, Chouchou a fait pas mal de choses ces derniers temps. Voilà. Alors, attendez, je vais sur mon album. Voilà. Alors, voilà. Comme vous pouvez voir, alors je vais vous mettre plusieurs photos. Hein. Il a fait cette série de croix. Voilà, ce sont des porte-clés. Donc, voyez, je vais vous les mettre un par un. Voilà, là, il y a un bleu vert, un rouge. Voilà, des turquoises. Elles sont très très belles. Alors, il pensait qu'elles allaient être plus petites, par contre, mais elles sont, voilà, comme ça, elles font 10 cm. Et il dit là, du coup, ça fait un peu grand pour mettre aux clés. Du coup, il se les est accrochés au-dessus de son bureau. Moi, j'en ai gardé une pour mettre au mien de bureau. Voilà. Donc, les voilà. J'ai fait le montage, moi, après, avec les petites chaînettes et les mousquetons. Bon, arrête de ronger tes ongles. J'ai un chien qui ronge ses ongles. Je me suis aperçue de ça, ben, c'est cette semaine. J'entends souvent. Et quand je lui ai dit bonne nuit, je voyais que sa patte était toute mouillée, mais toute mouillée. J'ai regardé, je lui ai dit, mais il ronge ses ongles. Il ronge. Comme si nous, on rongeait nos ongles. Alors là, je vais essayer d'aller voir le véto. Pour demander pourquoi il fait ça, et puis s'il a, parce qu'il en a un qui l'a rongé, mais alors bien, hein, bon, il n'en reste plus. Hein. Donc je vais aller au véto pour montrer sa patte quand même, et puis savoir pourquoi. C'est la première fois que j'ai un chien qui ronge ses ongles. Non, bon. Fais dodo, mon bébé. Ouais, fais un gros dodo. Alors, oui, donc je vous ai laissé la photo. Là, j'avais fait le montage, donc avec la petite chaînette et le mousqueton. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de cet article si jamais ça. Oh, ben mince, si ça vous intéresse. De toute façon, vous allez voir le unboxing de cet article demain, lundi. Parce que j'ai filmé le unboxing cette semaine, mais comme vous savez, je ne les mets que le lundi, les unboxings sur ma chaîne, pour pas envahir la chaîne de ce style de vidéo. Donc, vous verrez la présentation demain. Voilà. Ensuite, Chouchou a fait pas mal de DP. Ces derniers 10-12 jours, ouais, en 10-12 jours, ouais, je pense. Voilà, il a fait Capitaine America. Voilà, donc je vous mets toujours la photo. Hein. Capitaine America, il a fait ce petit couple d'amoureux, voilà, avec leur petit blouson de cuir. Bon, les photos sont prises quand même un peu de près. Hein. Mais quand on regarde d'un peu plus loin, c'est vraiment très très joli. Il a fait ce joli chat, voilà, un joli chat bleu. Et cette petite girafe, une girafe de l'automne avec son petit parapluie, voilà, sa petite écharpe, sa petite casquette. Et là, il est en train. Alors, c'est pareil, il est en train de faire un DP que vous verrez demain en unboxing. C'est une femme papillon. Voilà. Voilà. Pour Chouchou, c'est tout.
Donc voilà, en DP, je vous ai tout montré. On va, alors, je vais mettre le DP un peu plus. Moi, je m'attendais, je le mettre là. Voilà. En broderie. Alors, d'abord, ça, je vais vous le montrer tout de suite. Ma petite fille, alors ma plus grande des petites filles, elle a, c'est celle qui est au lycée, a fini une broderie. Je vous en avais montré une hein, dernièrement, je sais plus, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. Et là, elle en a terminé une autre. Alors, elle ne fait que des petites pour l'instant. De toute façon, comme elle n'a pas beaucoup de temps à cause de l'école, elle préfère faire des petites broderies. Et voilà. Donc, elle a fait cette petite vache. Voilà. L'encadrement, c'est moi qui lui ai fait aujourd'hui. Ça reflète avec la télé. Il y a la télé devant, mais... Et puis, ça reflète dans le téléphone. Voilà. Une petite vache. Une vache Père Noël, on va dire, parce qu'elle a un petit bonnet de Père Noël. Voilà. Donc, elle a fait les points, tous les points arrière, tout. Donc, alors, vous avez été plusieurs à me demander quel âge elle avait. Elle a 16 ans. Donc, voilà. Mais bon, c'est vrai que les petites broderies comme ça, on dirait que c'est plus jeune, mais nous, les adultes, on les fait aussi. Hein, donc, il n'y a pas d'âge pour faire ce genre de petites broderies. Voilà. Donc, j'ai fait l'encadrement bah, aujourd'hui. De cette petite vache. Donc, je lui redonnerai, ben, je pense, demain ou tout à l'heure, ben, puisque là, c'est dimanche, peut-être tout à l'heure, parce que ben, je vais aller leur donner leur chocolat de Pâques. donc, voilà. Ensuite, alors, on va passer aux choses sérieuses. Hop. Bon, ça, je le montre après. Broderie. Alors, je suis en retard sur les étapes de mes salles. J'ai pas réussi à les terminer, mais bon, c'est pas grave. Je vais les terminer ce mois, dans le mois, et puis je rattraperai mon retard. Là, c'est le colibri, voilà, de salle que j'organise avec une grille de chez Poussière d'Étoiles de Sabine. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Bon, il n'y a plus grand-chose à faire, hein, mais on va dire que ouais, si je me mets une journée dessus, puis elle est terminée. Voilà. J'ai essayé tout à l'heure d'avancer, d'avancer, d'avancer. Mais bon, j'ai pas réussi. Bah, ce matin, j'avais fait. Donc, samedi matin, donc, j'ai fait mes courses. Je suis rentrée, j'ai fait. Alors, on appelle. Nous, dans le Nord, on appelle ça un pain de chien. Et c'est un pudding de pain. Donc, j'ai fait un pudding. Puis après, j'ai préparé une soupe pour nous ce soir. Donc, tout ça m'a pris du temps quand même un petit peu. Donc, niveau broderie, ben, je n'ai fait que celle-ci aujourd'hui. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, je pointe pas. Hein, je ne suis pas à dire, ça y est, oh, faut que je le fais, faut que je le fais, faut que je le fais. Voilà, c'est fait, tant mieux, c'est pas fait, bon. Hein, ce sera fait le lendemain ou un autre jour. Donc voilà, alors là, j'ai fait aujourd'hui 257 croix, soit 1634 croix en tout, et je suis à 11,45%. Voilà. Hop, je vais la mettre sur le côté. Ensuite, j'ai fait toute façon, je vous mets les photos à chaque fois.
Le sale de Julia, le modèle de Hall Forest. Voilà, donc j'ai fait ici, alors la petite verdure là, et tout ça ici. Voilà, ça c'était déjà fait, ouais, donc là. Et ça, le Hall Forest. Alors j'ai fait, je suis à jour, voilà, celle-là je suis à jour par contre. J'ai fait 309 croix, donc je suis arrivée à 7000. On doit faire 1000 croix par mois, donc là je suis à jour. Et je suis à 56%. Voilà. Alors, si vous vous rappelez, j'étais un peu plus dans le bas la dernière fois, mais j'en avais un petit peu marre, donc j'ai rebougé mon tambour et je suis repartie sur le haut. Pour dire de changer de paysage. Voilà. Donc là, je vais continuer un peu sur le haut et je reprendrai comment le bas par la suite. Voilà. Mais ça avance. De toute façon, on le fait sur on le fait sur un an. Ouais, c'est sur un an, je crois. Donc voilà, il est déjà bien avancé, hein, de toute façon. Ici, alors, ça c'est le sale que moi j'organise. Et là, je ne suis pas. Le mois dernier, j'étais pile poil. J'avais fini. Ah, alors, je fais tout tomber. J'avais terminé pile le dernier jour du mois. Mais là, ce mois-ci, non. Non, j'ai pas terminé. C'est pas grave. Il n'y a plus grand-chose. Hein, vous voyez, il n'y a plus grand-chose à faire sur mon étape. Rien, ce sera terminé ce mois-ci et j'aurai la quatrième étape à faire aussi, mais ça devrait aller. Voilà. Donc ouais, non, là il me reste pas grand-chose à faire sur cette étape. Ça devrait aller, mais alors ça c'est un modèle comment? Oh, ma mince, Riolis, voilà, c'est un modèle Riolis que j'avais eu à la maison du canevas et qui me plaît beaucoup. Donc c'est rang. Alors l'autre jour on me l'a traduit. Alors j'espère que je me suis pas trompée, que j'ai pas oublié. C'est rencontre à la fenêtre, voilà. Donc avec le chat qui parle avec l'oiseau à travers la fenêtre. Alors, celle-ci, bah, du coup, j'ai fait environ 200, ouais, 250 croix. D'ailleurs, je ne l'avais pas marqué, mais j'ai fait 250 croix. Je l'ai mis où? J'ai pas marqué. Je n'ai pas marqué. C'est bizarre. Comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre. Ben non, je ne l'ai pas marqué. Et là, bon, ça y est, je vais le marquer. Voilà, hop. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas marqué. Oui, je marque tout sur mon carnet. Comme ça, voilà, je sais. Donc, j'avais fait environ 250 croix également. Voilà. Ah, excusez-moi. Ça, c'est une broderie de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà, c'est une broderie gratuite.
que vous retrouvez dans la boutique de Sabine. Il vous suffit de la choisir, de faire comme si vous faisiez une commande. Mais arrivé au bout, vous n'avez rien à payer et vous pourrez la télécharger. Voilà. C'est le Bouddha. Voilà. Alors, il avance. Comment ça va prendre forme, mon petit Bouddha? Alors, il y avait quelques petites erreurs que j'ai encore retrouvées. Mais bon, c'est vrai que là, malgré que je le fais avec Pattern Keeper, des fois, l'erreur vient pas de que je n'ai pas su lire ma grille. L'erreur vient que c'est assez confetti, vous voyez. Et du coup, des fois, je compte, ben, il faut que je mette ma croix 5 points plus loin. Et au lieu de compter 5, j'en ai compté 6 ou j'en ai compté 4. Donc, du coup, ça me décale mon travail. Donc, quand je vois une erreur, là, bon, ben, je l'enlève, et puis je reprends tout de suite. Voilà. Mais je le trouve très, très beau. Alors, le Bouddha. Alors, Bouddha. Bouddha, t'es où? Ah, il est là. J'ai fait 283 croix. J'en suis à 31,39%. Voilà. Donc, un petit peu à la fois, ben, ça avance, hein. Mais on commence à bien voir que c'est un Bouddha. Mais sinon, il est quand même très agréable à faire. Malgré qu'il soit un peu confetti, il est très, très agréable à faire. Voilà. Hop. Ensuite, donc ça, je vous le montre après. Ça, je vous le montre. Je vous le montre après. Ici, oui. J'ai un boxon avec tous mes trucs. Oh là là, quand je vois le nombre de broderies que j'ai commencé, je suis folle. Je suis folle. Je suis zinzin. Excusez-moi, j'ai bougé. Voilà. Oui, ici. J'ai fait celui-là, ouais. Alors celui-là commence à me plaire pas mal, parce que on commence à bien voir ce que ça représente. Alors là, par contre, je ne le fais pas avec Pattern Keeper, je le fais en version papier parce que celui-là ne se met pas sur Pattern Keeper. Keeper, pardon, malheureusement, mais bon, ça va, j'arrive à me débrouiller. Et c'est mes hérons bleus de chez Lanart. Voilà, là on commence à voir la tête, là on voit son œil ici, voyez, on commence à voir son œil, son bec, voilà, là tout son cou ici. J'ai avancé aussi le demi-point, là vous voyez. Je vous disais qu'il y avait ici sur cette partie là il allait y avoir beaucoup de demi-points, donc voilà. Mais j'aime toujours autant le faire, il est très agréable. Et maintenant qu'on commence à voir ce que ça représente, c'est beaucoup plus agréable à broder, je trouve, une fois qu'on commence à découvrir le dessin. Donc ça, c'est une broderie que j'ai eue aussi à la maison du canevas, si je ne me trompe pas. Voilà. Cette broderie avait été faite en salle. Lanart l'avait organisée en salle il y a quelques années. Voilà. Et bon. Il me plaît toujours autant. Là pour l'instant je suis sur une demi-page, donc quand j'aurai déjà terminé cette demi-page, ben, je serai contente. Voilà, je vais le remettre là pour l'instant. Ensuite,
Alors, bon, je pensais arriver à le finir, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à le terminer, mais j'ai réussi à l'avancer. Donc, c'est déjà pas mal. Mon toast à l'œuf, voilà, mon toast à l'œuf, c'est un modèle de chez Magic Needle. Donc, la voici. Il commence cette petite tartine commence à prendre bien forme. Alors, j'ai changé le tambour. On voit, hein, il y a la trace ici. Parce que le tambour était plus petit, mais j'en ai remis un, donc un petit peu plus grand. Alors, je fais attention parce que celui-là n'est ni scotché, ni surjeté. C'est un tort que j'ai eu, mais je crois que je vais le retirer du tambour cette semaine et mettre un petit scotch autour parce qu'il s'effiloche. Mais bon, c'est normal, hein, voilà. Oui, donc je disais, j'ai mis un tambour plus grand parce que bah, du coup, maintenant, vous voyez, j'ai besoin d'aller un peu plus loin sur la toile. Et autour, il va y avoir des demi-croix et puis il y a encore des petites baies à broder, comme ici, vous voyez, là, les petites boules, là. Bon, là, elles ne sont pas terminées parce qu'il n'y a pas le point arrière dessus. Mais voilà. Donc, on voit bien l'olive, un quartier de tomates, des concombres, encore des olives ici. Là aussi, c'est une petite tomate. Oui, une petite tomate. Alors, ici, c'est des feuilles de basilic que je suis en train de faire. Voilà. Ça donne faim. Bon, il avance. Il avance bien. Ça faisait plusieurs mois hein, que je l'avais abandonné. Du coup, là, maintenant que je l'ai repris, il avance bien. Hop. Hop, je vais remettre le héron dedans, puisque le héron va avec. Enfin, il est dans ce sac-là. Voilà. Là, c'est mon sac Betty Boop. Attendez, je vous le montre. Sac Betty Boop que j'avais fait. Ça fait un petit moment que je l'ai cousu ce sac. Ensuite, alors on va, il y en a encore que je vais vous. Alors je n'ai. Alors qu'est-ce que j'ai pas fait? Là c'est ce que j'ai pas fait. Celui-là c'est quoi? Oui, alors la grenouille, je ne l'ai pas faite. Manque de temps, mais c'est pas grave. Hein, je la ressortirai. La carotte, ça je vous l'ai dit, hein, je la mettais en pause une quinzaine de jours. Donc normalement, cette semaine, je vais très certainement la reprendre. Voilà. Je vais quand même les montrer les modèles pour ceux qui ne les auraient pas vus, qui arrivent sur la chaîne. Et qui vont se dire, mais cette fille est folle, cette femme est folle d'avoir autant de broderies. Voilà, la grenouille. Donc là, je n'y ai pas touché cette semaine. Bon. Ma carotte. Alors la carotte, je vous dis, je vais la reprendre cette semaine très certainement. Bon, finir, je ne sais pas, mais voilà, j'en suis toujours là, bien sûr. Alors pour les nouveaux et nouvelles qui sont sur la chaîne, si vous vous demandez pourquoi je l'ai mis de côté, c'est parce que tout est brodé. Elle est entièrement brodée. Je suis en train de terminer le feuillage. Mais alors, le feuillage, c'est une prise de tête. Pas possible. Comme j'avais déjà dit, il y a des erreurs dans le feuillage. Je m'en fous.
Tant pis, ça va rester comme ça. De toute façon, un feuillage de carottes, c'est pas net, hein, c'est pas comme ça. Mais comme j'avais déjà dit, je n'aurais pas dû finir par le feuillage. J'aurais dû faire un petit morceau de feuillage, mes carottes, un petit morceau de feuillage, mon vichy, un petit morceau de... Voilà, j'aurais dû faire comme ça. Et là, finir avec le feuillage, c'est une prise de tête. Mais alors, waouh! Mais j'y arriverai. C'est moi qui aurai le dernier mot. Ça, ensuite. Bah ça, je ne l'ai pas fait parce que mon étape était terminée. C'était le... Donc là, j'avais rien à faire dessus. C'est le sale Alice au pays des merveilles. Donc, bah oui, d'ailleurs, je l'avais pas. J'en ai pas parlé au début de la vidéo. Voilà. Là, je suis à jour dans mon étape, donc je l'avais pas sorti. Hop. Attention de ne pas mettre les fils dans la fermeture éclair. Le dur, ça l'a fait. Et... Ah, j'étais bien embêtée. Et là, par contre, je ne l'ai pas sorti. Je n'ai pas brodé dessus. Mais je suis très, très, très en retard. Sabine, pardon. Si tu passes par là. C'est le sale mystère de poussière d'étoiles que Sabine a organisé. Voilà, et donc c'est ça le dessin que je brode. Mais je suis très en retard. Il y a 10 étapes, je crois. J'en suis à la quatrième. Hop. Voilà pour ce sac. Qu'on met tout dedans. Voilà. Non, fais dodo. Pardon, maman, elle t'a fait peur avec le sac. Oh, maman lui a fait peur. Fais dodo, mon bébé. Fais dodo. Ici. Alors, maintenant, on part sur les grandes broderies. Qu'est-ce que t'as vu? Il n'y a rien sur le toit. C'est un petit chat qui passe. C'est rien. on attaque les grandes broderies. Pas encore les HAED, mais j'ai des grandes broderies que je fais. Alors, j'ai bien avancé là, par contre. Je trouve que j'ai bien avancé. Je sais pas si vous, vous avez trouvé que j'ai bien avancé, mais moi je le trouve. Ma maison météo. Alors, comme vous pouvez voir, bon là je suis, il me reste samedi dimanche, hein, donc ça va être fait dans la journée, c'est pas très grave. Mais j'ai bien avancé sur mes fenêtres. Voilà. Là elles sont, le jaune est terminé. Ici il y en a 4 en tout qui sont faites. Voilà. Donc je trouve que j'ai bien avancé. Voilà. Parce que vous la voyez comme ça. Oui. Ça fait qu'il me reste, je sais plus combien je vous avais dit la dernière fois, une dizaine de fenêtres, je crois, à faire. Bah du coup, il m'en reste au moins. Hein. Là, il m'en reste une, deux. Là, il m'en reste deux entières. Trois, quatre entières. Cinq, six entières à faire. Quand je dis entière, je veux dire avec. Oh. Excusez-moi. Je veux dire avec l'entourage jaune et la boiserie. Voilà. Donc, je disais donc. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, 6 qui ne sont pas faites du tout. Ensuite,
Il me reste la boiserie à faire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc 11 faites à moitié et 6 à faire entièrement. Voilà. Et bien sûr, après, c'est les couleurs des vitres. Après, il y aura le toit, les deux nuages, le petit soleil. En bas, il y aura le chat, le parapluie. Les petits bouquets de fleurs, voilà, mais ça, tout ça, ça va se faire un petit peu à la fois. On a un an hein, pour le faire, donc voilà. Mais elle avance bien. Oups. Alors, je vais la mettre sur le côté. Pour l'instant, parce que dedans il y a une autre broderie, mais je vous la montre après. Voilà. Et devinez, vous avez deviné, c'est la pose pipi pour les toutous, enfin pour un toutou. Allez, je reviens tout de suite. Ça y est, c'est fait. Alors, maintenant, j'en ai profité. Un petit verre de thé. Soit soif après. Alors, deuxième grand sac. Alors. Voilà, on va y arriver. Ce sont mes pans royaux. Voilà. Donc, ça avance bien. Voilà, on va dire. Alors, là, je suis dans la queue d'un des pans. Vous allez dire, mais oui, mais t'as pas fini, tu l'as pas fini, tu es parti là. Oui. Je vous explique. Comme d'habitude, la touche d'Edith... C'est-à-dire qu'il y a une toute petite erreur. Bon, ça y est, j'ai vu où elle était. Il y a une toute petite erreur. Mais je vais calculer. Alors, je vous explique où elle est l'erreur. Ici, dans ces deux... Ici, ces deux-là. Il manque une croix pour faire une ligne. Dans ces deux-là. Donc, je ne sais pas... Si je vais démonter ces deux motifs, ça, je pense que ça pourrait rester comme ça. Je vais voir en continuant de broder le reste. Oui. Je vais continuer à broder. Donc, alors là, il en manque un. Je vais le mettre et voir si... pour qu'il soit pareil que celui-là. Voilà, celui-là. Voilà, je vais m'arranger, parce que ça m'embête de devoir démonter, on dira, faire et défaire, c'est du boulot, hein, mais justement, faire et défaire, c'est du boulot. donc, je vais voir. Il manque vraiment une croix, c'est tout. Donc, je pense que je vais bidouiller un petit peu, et puis ça se verra pas. Voilà, déjà là, comme ça se voit pas. Moi, je le sais, je le vois même pas, même en le sachant. Donc je vais laisser peut-être, et puis je vais bidouiller. Voilà. Alors, du coup, pour pas perdre de temps, ben, j'ai brodé cette partie-là, ici. Voilà. Alors, elle est faite sur une toile étamine. Oh, là, vous voyez bien le rose. Rose vintage. Voilà, vous voyez, c'est marbré. Et je brode avec le fil de la référence 550 DMC. Je brode ici avec le vrai DMC. Voilà. Ensuite, grande broderie, ben on a terminé. Oui, donc attendez, je vais poser ça là. Je le remets très bien en place après. Je bois un petit coup.
Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ça, je l'ai montré. Ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Voilà. J'ai... alors, je vous ai montré la semaine dernière que j'avais plusieurs estampées. J'ai plusieurs estampées de commencer. Depuis plus ou moins plusieurs mois ou voilà. Et je vous ai dit, bon, il faudrait quand même que je les avance. Beaucoup. Certaines d'entre vous m'ont dit, ton cheval, il en est où? En sachant que normalement, le dimanche, j'avais un sac, il est là. Hop. Le dimanche soir, je brode celle-ci. Voilà. Donc, c'est une estampée, Joy Sunday, voilà, 14 CP, tout en bloc. Pas de prise de tête. De toute façon, l'estampée, moi, il ne faut pas que ce soit une prise de tête. Hein, parce que sinon... dimanche, j'ai sorti mon cheval. Oui, j'ai sorti mon cheval. Bon, j'ai pas fait énorme dessus. Je l'ai sorti et c'est vrai que je l'aime tellement ce cheval, il est tellement beau que c'est... Hop, voilà, le voici. Alors, j'ai travaillé, ben là, hop, travaillé un peu le fond, bon, un peu, mais ça paraît pas, hein, mais là, il y a déjà 200 points. Et j'ai travaillé dans la crinière. Alors, vous allez peut-être voir, vous voyez, il y a du vert. Donc, j'ai mis le vert, voilà, dans la crinière. Ouais, en tout, j'ai fait, j'avais calculé à peu près. Ouais, de 250 aussi, à peu près, de croix. Voilà. Et je suis en train de regarder dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben voilà, j'ai retrouvé mes hérons. Les hérons, j'avais fait 300 croix. Voilà, c'est ça. Donc 300. Je n'ai pas fait mon total de challenge. Du coup, il faudra que je regarde après si j'ai réussi mon challenge. Mais je pense que oui. Voilà. Là. Ouais, je crois que c'est bon. On fera le calcul après. Voilà. Et là. Voilà, on fera l'addition après. Excusez-moi. Alors, je vous disais donc, ouais, j'ai avancé un petit peu le fond et j'ai travaillé donc dans la crinière, voilà, du cheval. Mais je l'aime vraiment beaucoup. J'adore le rendu de cette broderie. Dans l'estampé, moi, c'est pas ma tasse de thé, hein, mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte qu'il se finisse quand même, hein, parce que celui-là, il est commencé quand même depuis... un moment. Depuis un moment. Voilà. Donc, j'ai fait le cheval cette semaine. Et, pareil, vous étiez plusieurs à me dire, comme j'ai envie d'avancer mes estampées, vous étiez à plusieurs à me dire, fais une roulette, comme ça, c'est vrai que en faisant une roulette, bon, au moins je sais laquelle je veux commencer, laquelle pas commencer, laquelle je veux faire, et voilà. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est ma roulette? Ah, elle est là. Par contre... Je
Ouais, je retire l'égyptienne. Égyptienne, j'ai pas envie de la faire maintenant. Ouais, j'ai pas envie de la faire maintenant, l'égyptienne. Et ça. Hop, j'ai pas envie. Tout simplement. Alors, attendez, je cherche. Voilà. Je repars en arrière, excusez-moi. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Allez. Ah, y a des jours que ça veut pas, hein. Il y a des jours que ça ne veut pas. Alors. Hop. Comme ça, je vais vous mettre la petite vidéo là. Ce sera plus simple. Voilà. C'est parti. Non, c'est pas encore parti. Voilà, là c'est parti. Donc, vous voyez ma roulette. Alors, tout est en double. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est pas très grave. Ça, je m'en fiche. J'ai mis le cheval, bien sûr. J'ai mis la dame de Noël. J'ai mis le cerf et j'ai mis les lapins. Voilà. Donc, chaque semaine, chaque journal créatif, je vais faire un ou deux tirages, voilà, et comme ça, je vais en tirer un pour le dimanche soir, et je vais en tirer un deuxième si je vois que j'ai un petit trou, que j'ai envie de broder le soir dans la semaine, voilà. Donc, je prends mon crayon en même temps parce que comme ça, je vais me le noter, parce que sinon, je vais l'oublier. Alors, celle du dimanche. Voilà, et là, celle de la semaine. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'elle va me donner pour ce dimanche? Ah bah! Le cheval! Le cheval. Donc ça, ce sera pour dimanche soir. Et on va refaire un tirage. Donc, si j'ai envie de faire un petit peu d'estampé dans la semaine, on va voir. Alors, si le cheval ressort, là, je referai un tirage, hein, bien sûr. Hein, les lapins? Oui, les lapins. Bon. Voilà. Donc, dimanche soir, je ferai, bah, ce soir, je ferai le cheval. Et ça fait bizarre quand je dis la phrase comme ça, je vais faire le cheval. Et la semaine, je ferai les lapins. Voilà, comme ça. C'est rien. Beaucoup d'entre vous ont l'habitude. Hein, Voilà, ce qui serait bien, c'est que j'arrête la caméra. Voilà, hop. J'aurais coupé au montage, hein, je pense. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Allez, arrête. Oui, non, ben, plus tard. Dire si on aime bien, si on n'aime pas. Hop, voilà. Donc, voilà, les estampés, je ferai donc le cheval. Et si dans la semaine je me sens nostalgique de l'estampé, je broderai un petit peu mes lapins. Voilà. Ensuite, alors, du coup, ça c'est le sac à estamper. Ensuite, eh ben, il nous reste les HAED. Alors, il y en a un que je viens de commencer, vous l'avez vu. Non, c'est celui-là ou c'est... Attendez. Je sais plus. Bon, on va voir. Je ne sais même plus ce qu'il y a dans mes sacs. Mais il faut que je trouve une autre façon de ranger mes broderies, mes encours. Parce que bon, j'en ai dans plusieurs sacs. Bon, dans les grands sacs, c'est les grandes. Ça, je ne peux pas faire autrement. Alors, bah ici, non, j'ai pas travaillé dessus.
C'est quoi celle-là? Ah, c'est la japonaise. Oui. La japonaise, c'est celle que j'ai commencé avec vous. Vous savez que je perds la boule. Je sais plus. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, attendez. Oui, la japonaise, je l'ai commencée avec vous. Alors, pas maintenant. Hop. J'en fais. Des fois, le chouchou me le dit. Il dit, mais t'en fais tellement que ta tête, elle est plus droite, elle est plus là. vidéo, c'est ici. Alors, la steampunk. Et oui, c'est ça, je l'avais commencé avec vous, la japonaise. Mais du coup, j'en ai pas fait. Non, j'en ai pas fait cette semaine. Par contre, je vais en faire la semaine qui arrive. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a que ça. Hop, ouais, comme ça, vous verrez mieux les couleurs. C'est la partie qui est faite. Alors, celle-là, je la brode sur une toile Ezikunt, Aïda 12,6 fil. Voilà. Donc, c'est une toile que j'ai eue sur la boutique de Mère en Fille. D'ailleurs, si vous n'avez jamais commandé sur cette boutique, si ça vous dit, envoyez-moi un email avec votre nom, votre prénom et votre adresse email, bien sûr, pour que je puisse vous parrainer. Comme ça vous donne 15% sur votre première commande pour une commande. Ah, bah tiens, voilà mon truc que je cherchais. Pour une commande à partir de 30 euros. Voilà. Donc comme ça, il ne faut pas vous inscrire avant que je vous ai envoyé l'invitation, hein. Une fois que vous avez l'invitation dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire sur le site. Voilà. 15%, c'est toujours bon à prendre, hein. Donc voilà. Bon, bah, la japonaise n'est pas très très avancée, hein, mais bon, c'est normal. Elle vient d'être commencée. Elle est dans le sacrum pour l'instant. Quand je pourrai avoir un métier en bois, je la mettrai sur le métier en bois. Donc en attendant, elle est rangée là-dedans. Ensuite, ici. Voilà, ça c'est la dernière que j'ai commencée et que vous avez vue. Purée. Oui, ça va pas. Mettre plusieurs broderies, au bout d'un moment, ça rentre plus. Ça, c'est la steampunk. Bon, c'est le début, hein. C'est le début. Mais à la vidéo, vous en aviez vu moins, hein. À la vidéo, j'avais fait 56 points, si je me rappelle. Et là, j'en suis à 380 points. Voilà. Donc, la steampunk, je vous aurais très certainement remis l'image, même de la japonaise. Celle-là, elle ne fait pas partie du site HAED. Si jamais elle vous intéresse, que vous voulez la faire, alors, deux solutions. Soit vous êtes sur mon groupe déjà et vous pouvez la récupérer dans les fichiers du groupe. Ou alors vous venez vous inscrire dans le groupe et vous pourrez récupérer. En tout, il y a deux steampunks. Je vous mets les photos. Il y a donc la steampunk bleue que je suis en train de faire, la steampunk multicolore. Voilà. Et il y a l'enfant clown. Il y a un petit peu steampunk aussi, lui. Voilà. Comme ça, vous pouvez récupérer les fichiers. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, ni sur mon groupe, vous me le demandez et je vous l'enverrai par email. Ce sont des images que j'ai récupérées, des images gratuites. Et moi, je les ai transformées en grilles à broder. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse de les faire, ben, vous m'envoyez un message. Vous venez sur le groupe. Voilà. Donc, ces deux-là, c'est vraiment le tout début. Donc, c'est normal.
J'ai envie peut-être de me faire une roue aussi pour les achats ED. Je vous explique après pourquoi. Et celui-ci qui est plus... Alors, oh, j'ai oublié de remettre bien mes fils. J'ai oublié de les re-enrouler. C'est pas grave. Voilà. Celui-là, c'est celui qui est le plus avancé. Voilà. Donc ça, c'est le paysage. Donc celui-là, je sais pas, je devrais vous donner les noms en même temps. Je vais vous le donner. Hop, le voici. Alors, voilà. Attendez, non, j'y arrive pas. Voilà, ça y est. Donc c'est celui-là. Donc c'est un modèle de chez Andy Russell. Voilà. Donc il fait 150 couleurs. Et en taille, il fait 425 points sur 318 points. Voilà. Après, bon, ça dépend sur quelle toile vous faites, hein, mais vous allez sur le site calculateur de broderie. Je me le marque aussi, comme ça, je vais vous mettre le lien. Calculateur broderie. Vous allez dessus et vous choisissez votre toile. Je vous ferai une petite vidéo, une mini vidéo pour vous expliquer comment on fait. Comment vous en servir si vous le souhaitez. Alors, comme ça va être très court, je pense que je le ferai en short au lieu de faire une vidéo normale. Je vous le ferai en short. Donc voilà, vous avez vu, voilà le modèle, très très coloré et très beau. J'aime vraiment beaucoup. Et quand on l'a vu, ben même je l'avais montré à Chouchou à l'époque et même lui avait dit ouais, il est vraiment très très beau. Donc voilà. Et du coup, la japonaise, elle est ici. Voilà. Donc, la japonaise est un modèle de Graxiana Zielinska. Un nom. Je suis désolée, j'arrive pas à bien le dire. Voilà, c'est le Mini Asian Fantasy 3. Donc, c'est pas le grand modèle. Celui-là, c'est celui seulement avec 89 couleurs. C'est le mini, comme on appelle ça. Mais bon, c'est un mini qui est déjà bien, bien grand. Hein. Voilà. Et donc, l'autre. Bah non, le steampunk, j'ai pas les renseignements dessus. Non. Non, le. Voilà, ça, c'est celle que je suis en train de faire. Hop. Ça, c'est la deuxième steampunk. Voilà. J'aime beaucoup aussi celle-là. Et l'enfant clown. Ah, je ne l'ai pas enregistré encore. Tiens, l'enfant clown. Bon, c'est pas très grave. Je vous aurais mis l'image de toute façon avant. Hop. Voilà. Donc l'agence. Ah, je ne vous ai pas dit à combien j'en étais. De points sur celui-là. Alors, celui-ci, j'ai déjà brodé dessus 3547 croix et j'en suis à 2,62%. Voilà. En tout, j'ai 135 150 croix à broder. J'en suis encore loin. Mais bon, ça va aller. Voilà, alors niveau broderie, ça je vais tout ranger ça après. C'est bon. Maintenant, je rebois un coup, oh, j'ai soif. Alors, niveau broderie, je vous ai tout montré. Parce que tout mes en cours. Mais, parce qu'il y a un mais.
Je regarde régulièrement sur le site HAED. Voilà. Je regarde régulièrement dessus. Et je suis en train de me mettre dessus en même temps. Et aujourd'hui, quelle a été ma surprise? Quelle a été ma surprise quand j'ai vu que le site était, hop, on va se mettre par artiste, voilà, le site était entièrement à 50%. Voilà, alors j'appuie sur n'importe lequel pour vous montrer, voilà, vous voyez les prix, bah, ils sont à 50%. Alors, sur le site HAED, ça ne dure jamais longtemps. Ça ne dure jamais longtemps, les promotions. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans un HAED, ou alors si vous faites des HAED, pardon, et que vous aviez envie d'en faire d'autres et que vous attendiez justement, bah, allez-y, foncez. Hein, c'est ce week-end, il faut y aller. Je pense que ça va être une promo que pour le week-end. Mais je ne suis pas sûre. Donc voilà. Alors, je vais pas l'expliquer. Enfin, je vais expliquer les grandes lignes peut-être ici. Voilà, vous choisissez. Alors, je vais me remettre au début. Voilà. Vous êtes sur la page d'accueil. Hop. Voilà, vous êtes sur la page d'accueil. Vous allez dans menu. Graphique par artiste. Et là, vous allez avoir tous les noms d'artistes, de créateurs qui ont fait, qui partagent, pardon, leur création sur ce site pour les vendre. Voilà, donc vous en avez plein, hein, plein, plein, plein. Y a des modèles que vous allez vous dire, j'ai déjà vu ces modèles. Ben oui, vous les avez déjà vus en broderie empruntée sur les sites chinois, pour pas dire un autre mot. Donc voilà. Alors ensuite, vous voulez choisir une... Bon, allez, je vais me mettre sur n'importe quoi. Hein. Voilà, vous voulez chez Del Rio. Voilà, je connais pas d'ailleurs. Tiens. Vous voulez une broderie. Ben, vous allez aller sur celle que vous souhaitez. Alors, on va regarder. Ah ben celle-là, il n'y a pas ce que je voulais vous montrer. Alors, on va aller. On va retourner ailleurs. Est-ce que là, il y en a? Est-ce que je veux vous montrer des mini et des pas mini? Alors, est-ce qu'on a des mini ici? Vous allez voir que je vais tomber que sur les créateurs où il n'y a pas de mini. Ah zut. Allez. Bon. Je vais rechercher le créateur que j'avais vu tout à l'heure. Allez. Oh là là, c'est pas possible ça. Pourtant, elle a de la batterie, oui. Bon, alors je vous demande juste une seconde, enfin une seconde, juste le temps de retrouver. Alors, du coup, ce que je vous disais cet après-midi, quelle a été ma surprise, voilà, ici, de voir que le site était à 50%. Pas bien et du coup j'ai fouillé 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 je m'étais d'abord arrêtée sur celle-ci, voilà, vous voyez, je m'étais arrêtée sur celle-ci. Celle-là vous la connaissez peut-être aussi en diamond painting en version chinoise, mais là ici c'est vraiment le créateur. Donc voilà,
Alors, je suis en train de chercher la version. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, je n'ai pas acheté celle-là, je vais vous montrer après. Celle-là vous plaît. Bon, vous voyez, elle est à 9 dollars. Alors, ici, vous pouvez, alors si, là en haut, voilà, hop, USD, vous voyez, vous vous mettez en euros. Et voilà, vous avez le prix en euros. Donc, ça fait 8,70 €. Là, c'est le max couleur. Donc, c'est-à-dire que c'est le modèle le plus grand et c'est celui où il y aura le plus de couleurs. Donc, celui-ci, alors, je vous montre là, voilà, 240 couleurs. Par contre, c'est pas un petit, hein. Il fait 750 points sur 565 points. Il y a en format régulier 74 pages de grille. En grand format, moi je prends toujours en grand format. Il y a 80 pages. C'est plus détaillé, c'est plus. Je trouve que c'est mieux. Donc vous voulez prendre celui-là en 240 couleurs. Bon, je ne vais pas cliquer partout parce que je n'ai pas envie de me le commander. Vous allez cliquer ici, méthode de livraison, format du graphique. Voilà. Et vous avez alors téléchargé PDF donc en format régulier, donc c'est celui qui a le moins de pages. Et après, vous avez grand format graphique. Vous voyez, il y a quoi? Même pas 1 € de différence. Donc moi, je prends toujours, je ne vais pas cliquer là, je vous dis, mais je prends toujours en grand format. Comme ça, je suis tranquille. En bas, ça sert à rien, c'est le format papier. Donc, c'est pas la peine. Vous allez payer des frais de port, tout. Donc, non. Puis ça vous coûte plus cher. Donc, ça, c'est le format max couleur. On va repartir en arrière. Alors, vous voyez, ça, c'est un modèle de 2020. C'est marqué, hein, mercredi 9 décembre 2020. Voilà. Hop. Alors, et le même modèle ici. Donc ça, c'est le mini. Voilà, donc vous voyez déjà au prix que c'est 5,49 €, hein, c'est déjà moins cher. Et par contre, le modèle va être plus petit. 325 points sur 244 points, mais il n'y aura que 89 couleurs. Voilà. C'est un modèle de 2016, pardon. Voilà, là, il n'y a que 89 couleurs. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter à avoir 200 couleurs ou plus de 200 couleurs à broder, vous pouvez prendre ce modèle-là. En plus, la toile, vous aurez une toile plus petite. Si vous n'avez jamais fait d'achat ED, je vous conseille de démarrer là-dessus, sur des mini, pour vous faire la main, on va dire, et ne pas abandonner trop vite votre broderie. Alors, pareil, ici, vous allez appuyer sur format du graphique, etc. Et vous allez choisir si vous le voulez en régulier ou en grand format. Voilà. Donc là, c'est pareil, ce serait du grand format. Bon, ensuite, bon, je vais quand même essayer de. Allez, je vais faire ça, mais je ne vais pas valider. Hein. Hop, on fait ajouter au panier. Après, je vais l'effacer de toute façon. Là, vous mettez OK, il n'y a pas de problème. Bon, là, c'est du blabla. Hein. Sauf que ça, c'est du blabla, mais très important. Les téléchargements sont accessibles dans votre compte, donc votre compte client, en consultant vos commandes. Les téléchargements expirent au bout de 14 jours. Si vous n'avez pas téléchargé avant 14 jours, ben, c'est foutu, vous ne pourrez pas le télécharger. Hein. Donc, quand vous faites votre commande, téléchargez tout de suite. Et on ne peut les télécharger qu'une seule fois. Voilà. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, vous l'avez, mais là, bon, je ne vais pas continuer parce que sinon ma commande va être enregistrée. Et après,
C'est comme d'habitude, hein, là vous allez appuyer sur vérifier et vous allez avoir votre bon de commande et vous appuyez sur PayPal ou sur carte bleue. Enfin voilà. Bon, pas de problème, c'est un site sécurisé donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Bon, je vous ai expliqué déjà les grandes lignes hein, pour commander, mais là allez-y ce week-end parce que je pense que ça va pas durer très longtemps. Alors, vous avez de temps en temps aussi. Alors, on retourne sur menu. Là, graphique gratuit. Voilà. En ce moment, c'est celui-ci. Voilà, celui-là est gratuit. Donc, il vous suffit de cliquer, c'est marqué, cliquez ici pour télécharger. Bon, moi, il est déjà mis en. Je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. Là, vous le téléchargez et voilà. Donc, celui-là, je ne sais plus combien de couleurs il a, mais. Alors, celui-là, il a été fait par l'intelligence artificielle. Donc, de temps en temps, il y a un nouveau gratuit. Avant, il y en avait plusieurs, mais maintenant, ils n'en mettent plus qu'un. Voilà, c'est l'inflation. Dernière chose que je peux vous dire. Alors, vous voyez, ils font aussi pour le Diamond Painting. Mais là, j'y vais jamais. Pour le DP, pareil, vous retrouvez toutes les créations. J'appuie sur n'importe lequel. Mais bon, là, ah, ceux-là ne sont pas en promo. Ceux-là ne sont pas en promo. Cela j'ai jamais acheté. Là j'ai jamais pris. Là je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Choisissez votre méthode d'impression. Ah oui. Alors vous pouvez soit en noir et blanc ou en couleur. Voilà la toile qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur. Et choisissez votre méthode de colle. Colle coulée ou colle ruban. Voilà. Je crois que la meilleure, c'est colle la. Comment? C'est la colle coulée. Voilà. Donc, si je mets colle coulée, par exemple, et que je mets en couleur, voilà. Bon, ça change rien au prix, mais voilà. Donc, vous choisissez ça, ajoutez au panier. Alors, par contre, bien sûr. Là, vous allez avoir. Là, je le vois avec vous parce que je n'ai jamais fait. Voilà. Là, vous avez la liste de toutes les couleurs que vous allez avoir besoin pour le faire. Mais est-ce qu'il y a le nombre de perles? Ah oui, il y a le nombre de perles. Alors, c'est ici. Voilà, vous voyez? 109, là, bah, il faut une perle, là. Donc, celle-là, vous allez peut-être l'oublier. Là, 1077, 2427, etc. Par contre, les perles ne sont pas fournies. Hein. Si je ne me trompe pas, non, bah, de toute façon, à ce prix-là, elles ne sont pas fournies. Les perles ne sont pas fournies, donc il faut que vous trouviez les perles vous-même. Voilà. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Allez. Ah ben, je retourne sur menu. Menu. Voilà. Si vous voulez voir, alors c'est comme ça que tout à l'heure, j'ai craqué. Alors, je voulais craquer sur l'égyptienne avec ses léopards et tout. Et une abonnée de mon groupe, une qui est membre de mon groupe. M'avait montré ce qu'elle avait pris du coup, ce qu'elle avait choisi. Et quand je l'ai vu, ben, j'ai dit, ah, c'est trop beau. Alors vous voyez, il y a aussi des. Oups là. Mais à ce prix-là, niette, hein, des organisateurs, voilà. Il y a de la toile aussi, mais bon, elle est un peu chère. Hein. Voilà. Alors, où est-ce que c'était? Alors, c'est la série celtique.
Alors, il y a l'abeille, il y a... Vous allez voir que je ne vais pas trouver le mien. Ah, c'est pas vrai. Tic à tic. Bon. Rien, je vais vous le montrer. J'ai enregistré la photo. Je vais vous montrer la photo. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, ça, c'est toutes les nouveautés qu'il y a. Ah, ça y est, les voilà. Ici, alors, la fille de mon groupe, enfin, la membre de mon groupe a choisi celui-là, le petit renard. Il est trop, trop beau. Il y a la licorne aussi. Et moi, j'ai choisi celui-là, le chat. Le chat celtique. Voilà. Alors, bon, c'est pareil, hein, vous choisissez. Alors, le chat celtique, il y a très peu de couleurs, c'est-à-dire 238 couleurs pour ce petit truc-là. Niveau taille, il va faire 60 ou 70? Non, 65 cm sur 65 cm, je crois. Voilà. Alors, on va aller. Il est là. Donc, le voilà. Donc, c'est un modèle de chez Malcolm Watson. Donc, je vous ai dit, hein, il y en a plusieurs. Hein. Il y a le renard, il y a la licorne, l'abeille, la libellule, le papillon, la chouette, le chat. Il y en a encore d'autres, mais je ne sais plus. Voilà. Donc celui-là est à 238 couleurs, voilà, 350 sur 350 points, voilà. Mais j'avais demandé à Chouchou qui choisisse, et il a dit non, on prend le chat, il est trop beau, donc j'ai pris le chat. Et puis voilà. Alors du coup, ça va me faire... En comptant la steampunk, bah, trois vrais achats ED plus la steampunk. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais que je pense que je vais mettre également une roulette en place pour les achats ED. Pour savoir sur qui je travaille. Voilà. Je pense que je vais faire une roulette avec eux. Voilà. Mais regardez-moi ça, comment il est mignon ce petit chat. Il a de beaux yeux, non? Regardez ça. Regardez. Ah. Non, mais il est trop trop beau. Et alors du coup, bon, celui-là, il n'est pas. Je viens de l'acheter, hein, donc il n'est pas prêt. Je vais le temps que je prépare. Bon, du coup, comme j'ai de la toile, je ne vais pas racheter de toile. J'ai la Ida 8. Je ferai avec celle-là, ce sera tout aussi bien que c'est laquelle que je fais avec l'Aïd. Aïe, bah c'est la Steampunk que je fais avec l'Aïd A8, donc je ferai celui-là aussi avec l'Aïd A8. Je vais normalement, j'ai oui, j'ai largement de tout, assez de toile pour le faire. Normalement, si je me ouais, je pense. Je pense, je regarderai ça cette semaine. Mais après, il faudra que je prépare les 238 couleurs. Voilà. Alors, ça, c'est un achat. Oh, on est déjà à 1h23. Je suis seulement à la broderie. Ça, c'est un achat. Et bien sûr... une fille de mon groupe, je vais déserter mon groupe, je le sens. Je vais déserter mon groupe. Me dit ouais, c'est bien, il y a des promos HAED, ok, mais il y en a aussi chez Caroline Manning. Ah, donc Caroline Manning, bon, elle est très connue, hein. Par les brodeuses, mais moi je n'avais encore jamais
Oui, je sais, je sais pas pourquoi, mais je n'avais encore jamais acheté de modèle de cette créatrice. Et là, on me dit, il y a des promos. Je sais, c'est pas possible. Et ouais, alors, il y a des promos. Donc voilà ce que j'ai pris. Alors, c'est la The Garden Labyrinth Collection. Full Sun. Voilà. Alors, je ne sais pas si celui-là, il n'y a plus Full Sun. Donc, c'est... Il y a peut-être plusieurs versions de celle-là. Faudrait que je regarde. Parce que ça a l'air d'être pour l'été. Et il y a peut-être le printemps, l'automne, l'hiver. Je ne sais pas. Faudrait que je regarde. Donc voilà, j'ai pris ça, mais j'ai pris ça aussi. Donc la Garden Gif, elle est trop trop belle. Regardez ça. Oh, en plus, j'adore cette couleur-là, là, le violet, c'est trop trop beau. Il y a un petit peu de point arrière dedans. Mais il y avait aussi celle-ci, la Pink Your Honey Strawberry. Voilà. Elle est trop trop belle aussi, vous voyez. Et ben voilà, j'ai craqué pour trois grilles. Mais bon, la promo, alors j'en ai. On va dire que j'ai payé 2,5 grilles avec la promotion. Donc ça va. Puis là, bon, c'est du téléchargement, donc il n'y a pas de frais de port. Tiens, la fifi, il n'y a pas de frais de port, donc pas de souci. Je vais arrêter la tablette. Voilà. Et du coup, fifi m'a coupé la chic. Du coup, je me suis dit, bon, une, donc deux, je fais, oh, bon, trois, mais après j'ai arrêté, hein, parce que j'en aurais bien pris plein, hein. Ah ouais, je la connaissais, hein, je connaissais cette créatrice parce que je vois passer ses broderies et tout, mais j'en avais encore jamais acheté. Donc, attends, maman, elle va avoir quand besoin de la table. Donc voilà. Dernier achat que j'ai fait, je vous en ai parlé lorsque je vous ai fait la présentation des revues Tricot et Crochet. Et je vous avais dit, j'irai peut-être chercher le troisième qui est un spécial accessoire. Attends, tu vas descendre mon bébé. Hop, voilà. Et donc j'étais le chercher, je vais vous le présenter cette semaine en détail. Donc c'est celui-là. Donc c'est celui-ci, c'est le idéal hors série, accessoire qui invite à la détente de la couleur pour embellir sa maison et ambiance cocooning. Plus de 50 modèles. Voilà. Donc. Je vous montre. Excusez-moi. Je vous montrerai ça. Il y a des modèles. Ouh, ça c'est beau ça. Ouh, c'est beau ça. Bon. Il y a des modèles de vêtements également. Il y a des couvertures. Il y a des sacs. Il y a des petits accessoires de maison, des coussins. Il y a plein de choses. Donc, je vous fais une vidéo cette semaine pour vous le présenter. Allez, je vais couper, on va dire 5 minutes pour moi, 5-10 minutes pour moi, le temps que je débarrasse tout ça, que je rebois un petit verre de thé. Voilà, et on va passer à la rubrique tricot-crochet. Voilà, mais pour vous, c'est tout de suite. Ça y est, me revoilà. J'ai tout rangé et du coup j'ai sorti mes sacs tricot. Oh, c'est une vraie expédition. Alors, je refais
deux secondes sur la broderie. Parce que à partir du 1er avril, on commence le nouveau sale que j'organise. C'est celui-ci. Voilà. Donc c'est un modèle All Forest, c'est un modèle gratuit. Donc on va le faire en 6 mois. On va broder une page à la fois. Voilà, j'ai donné le plan tout à l'heure. On va commencer par ce petit nounours ici. Et après, je crois qu'on fait celui du bas. Je ne sais plus. J'ai plus l'image en tête. Mais voilà. On va le faire en 6 étapes. Et je ne sais plus si je vous avais montré la toile que moi j'avais choisie. Je vais le faire sur une toile bleue. Bleu jean. Voilà. Alors attendez, je vais plier en deux. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc c'est une toile teinte à la main que j'avais gagnée sur Instagram à la boutique Tom et Lily Création. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. J'ai 1, 2, 3. J'ai déjà commencé à préparer mes fils. Il me reste que cela à mettre sur bobinette. Il y a 6 couleurs. 6 ou attendez. Je ne sais plus. Non, il me manque une couleur là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, non, c'est ça. 5 couleurs. Il y a du noir. Oups, pardon. Il y a du noir. Un marron glacé comme ça. Un bleu glacier. Un vert. Et du blanc. Voilà. Donc, pas beaucoup de couleurs. C'est bon, ça, je pense que c'est la broderie qui va aller bien faire. On verra. J'espère qu'il n'y aura pas, j'aurai pas trop de retard. Donc voilà. Allez, je referme la partie broderie. Tricot. Alors, d'abord, crochet. Couverture météo 2023. Alors, je ne vais pas vous la sortir. Enfin, si, je vais vous la sortir, mais vous ne verrez pas grand-chose. J'ai crocheté dessus. Mais je suis tombée en panne de laine, enfin de fil. Vous voyez, il me reste que ça pour la couleur dont j'ai besoin. Bon, je pourrais encore faire 2, 3 rangs avec, hein, bien sûr. Mais je suis tombée en panne de cette couleur-là. Et bonheur ou chance, c'est quand? Dimanche? Non, pas dimanche. Enfin, je sais plus, en début de semaine. Donc, je fais ma couverture. Je fais, ah, je suis mince, j'ai plus de laine pour cette couleur-là. Alors, du coup, j'ai dit, bon, j'ai arrêté. Et j'ai regardé sur le site Hobby. C'est là où j'achète mon fil Amigo pour mes couvertures. Et quel bonheur! C'était en promo. Mais la promo s'arrêtait le soir même. Donc je ne sais pas depuis quand c'était en promo, mais je vais, oula, tout de suite, commande. Du coup, j'ai repris plusieurs couleurs. Je vais recevoir par contre ma commande vendredi ou samedi, ici. Et bah, je ne l'ai pas reçue. Donc, bon, maintenant c'est Pâques. Donc, je pense que je l'aurai mardi. On verra. C'est pas grave, hein. De toute façon, je ne suis plus à jour près, hein. Bon. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Voilà où j'en suis. Hop. 1er juillet, non, oui, 2 juillet, pardon. Et là, je suis 12 ou 15 novembre. Voilà. Et là, je suis dans le bleu, hein, vous voyez? Et c'est pour ça, ben, ce bleu-là, ben, je l'ai plus. Donc, voilà. Donc, c'est pas grave. Là, j'attends ma commande. Et dès qu'elle arrive, je vais reprendre ma couverture.
Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit, mais combien de pelotes il faut? C'est difficile à dire. Alors, moi, ce que je préfère dire, vous voyez, mais pourtant, c'est ce que j'avais fait, compter, alors, suivant les températures chez vous. Si vous savez qu'il fait très, très, très chaud, la couleur la plus chaude, prenez-la aussi en plusieurs exemplaires. S'il fait très, très, très froid, pareil. Prenez-la en plusieurs exemplaires et les couleurs entre deux, on va dire les couleurs, les températures entre deux, les températures normales. Moi, je dis qu'il faut compter pour être sûr 6 pelotes de chaque couleur. Mais vous voyez, moi là, j'ai utilisé beaucoup de bleu et puis bah, du coup, je suis quand même tombée en panne. Mais j'en reprends quand il y a des promos. Voilà. Alors, l'année prochaine, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Je ne sais pas si je referai encore une couverture. Parce qu'au bout d'un moment, bon, peut-être que ça va faire. Ça fera beaucoup, mais bon, je verrai. Mais je regarderai. Si je suis pour refaire un truc météo l'année prochaine. Ou alors je ferai quelque chose d'autre dans le style couverture, mais peut-être plus un petit plaid ou voilà, je verrai. Mais j'essaierai de commencer à regarder à partir de juillet. Septembre, c'est les soldes. Voilà, pour faire mon plein de laine à ce moment-là. Mais là, bon, ça y est, je suis tombée en panne, je suis tombée en panne, hein, ça arrive. Ensuite, ma couverture. Alors, là, ma couverture météo, j'ai pas fait mon rang d'aujourd'hui, donc de samedi. J'ai pas fait mon rang, donc je vais le faire aujourd'hui dimanche. Mais je suis à jour, hein, sinon. Voilà. Alors j'ai repris aussi, du coup, dans ma commande, j'ai repris quelques couleurs pour celle-ci. Comme ça, je suis tranquille. Mais je l'aime moins cette année, pas par les couleurs. Hein. J'aurais dû faire que de la maille serrée comme j'ai fait l'année dernière. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est moins régulière puisque je fais une semaine en maille serrée, une semaine en bride. Et quand je fais la semaine bride, j'ai l'impression que c'est moins régulier. Bon, peut-être qu'après, quand je l'aurai terminée, que je la mettrai au lavage pour bien la placer, tout va peut-être bien se remettre. Hein. Donc voilà, là c'est où j'avais démarré et là c'est où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Donc chaque ligne blanche marque la fin du mois. Donc justement. Aujourd'hui dimanche, je vais rattraper donc. J'ai les poils à fifi. je vais faire mon samedi que j'ai pas fait, mon dimanche, et je ferai du coup ma ligne blanche, puisque. Non, le dernier jour du mois, c'est quand? Dimanche ou lundi? Je sais plus. Bon, enfin, je ferai samedi, dimanche, et lundi, alors je crois que c'est lundi de Pâques, c'est le premier ou c'est le 31, je sais plus. Oh, je sais plus comment je vis. Attendez, bah, j'ai mon calendrier devant moi. Dimanche 31. Oui, donc non, c'est ça. Alors dimanche, alors je vais faire samedi, dimanche et ma ligne blanche pour terminer le mois. Voilà. Donc voilà mes couvertures. Bon, une qui est un petit peu, qui attend sa laine. Et celle de cette année qui, elle, est à jour. J'ai soif. Ensuite, j'ai avancé. Alors, attendez, je pose les... Oh, mon aiguille. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Non, on ne voit pas bien l'écran. Je me suis assise dessus.
Pourtant, c'est les Knight Pro, hein. Mais bon, par mon poids, je suis très délicate. Je reprends mon aiguille pour retricoter. Je suis... Oh, j'ai eu les boules. Parce que bon, les Knight Pro, elles sont pas pour rien quand même. Oh, j'avais la rage. Je dis, mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Et ça va, j'ai réussi à la... Un cas tout petit peu tordu, mais bon, ça va. Je fais vraiment... J'avais les boules. Hein. Alors, j'ai avancé un petit peu mon pull fildard. Voilà. Il avance, pépère. Alors, on est là. Voilà, ici. Bon, j'ai fait ça. Il doit y avoir une dizaine de rangs, je crois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10, 11 rangs. Voilà. Donc il avance petit à petit. De toute façon, l'hiver est terminé, hein, donc c'est plus tellement urgent, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est une mare de Jersey, hein, bien sûr, et un océan, le Pacifique du Jersey, le Sahara du Jersey. Mais bon, ça va, ça va, ça va. Le pull à chouchou, non, j'ai pas fait. Cette semaine, j'ai pas fait le pull à chouchou. Mais, alors, par contre, j'ai écouté une de mes abonnées. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, mais bon, j'ai très mauvaise mémoire des prénoms. Hop, viens là, toi. Alors, attendez, je pose mon aiguille. Hop, je prends l'autre. J'ai laissé de côté le devant. Parce que vous vous rappelez que le devant commençait à me sortir des trous de nez, comme on dit. Donc, je l'ai laissé de côté. Hein, ça lui fera les pieds. Et j'ai commencé. Les manches, voilà. Oui, je tricote les deux manches en même temps, tout le temps. Quand je fais un gilet, c'est pareil, je tricote les deux devants en même temps. Comme ça, les diminutions sont toutes au même endroit, les augmentations sont toutes au même endroit. Voilà, il n'y a pas... Et puis ça va plus vite. Donc voilà, là j'ai déjà fait les côtes, vous voyez, les côtes sont faites et j'ai commencé le jersey en vert. J'ai fait en tout 'je l'ai pas marqué. Alors les côtes, il y a 16 rangs. Il y a 16 rangs pour les côtes là. Et là, j'ai dû faire 2-3 rangs, je crois, dans le jersey en vert. Donc voilà, j'ai commencé les manches. Au moins, ça va me changer. Et quand les manches seront finies, je reprendrai le devant. Voilà. Comme ça me remet un peu dans le bain. Donc je tricote avec deux pelotes, bien sûr. Hop. Et du coup, j'ai changé de sac pour celui-là, tricot. J'ai pris, et oui, encore, j'aime beaucoup Betty Boop, un sac Betty Boop, que j'avais eu un partenariat, mais je ne sais plus où. Je ne vais plus vous dire. Donc voilà, le camionneur, ça y est, c'est reparti. Voilà. Ah, mais alors, reste là. Donc, je vous disais, je n'ai pas fait le pull de chouchou cette semaine. Mais il sera fait la semaine qui arrive. J'en ferai. Je pense que je vous avais montré ce petit pull. Voilà. Donc, c'est un modèle de chez Fildard. C'est le pull Armel.
que l'on tricote avec le fil eucalyptus. Et le fil eucalyptus, c'est un fil que j'avais eu lorsque j'avais acheté, enfin, j'allais dire, ouais, c'est comme une box mystère. On a un sachet de laine ou de coton, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Et donc, j'avais eu cette laine, ce fil, parce que là, ce n'est pas une laine, c'est un fil. C'est du lyocell, voilà. Eucalyptus, fil eucalyptus, 100% biodégradable, fabriqué en Italie. Qu'est-ce que je cherche la couleur? Est-ce qu'elle est marquée quelque part? C'est la numéro 104, voilà. Et ça se tricote en 6. Et c'est un fil, c'est même plus un ruban, on va dire. Voilà, vous voyez, c'est plat. On dirait que c'est... Ouais, vous verrez pas bien, mais là, peut-être là de loin, vous voyez mieux. On dirait un ruban qui a été tissé. Mais donc, super agréable à tricoter. Parce que... Bah oui. Parce que ça y est, Fifi est folle. Elle était faire sa petite croquerotte dans sa litière, elle est folle. Eh ben oui, mais vous voyez, j'ai super bien avancé lui, hein, par contre. J'en suis déjà à la deuxième pelote. J'ai attaqué ce pull, voilà. Et il va super bien tricoter, il est tout doux, il est... Oh, elle est folle, hein. Il est super léger, voilà. Alors, il se tricote en jersey. Là, ce sont des côtes de 2, ouais, des côtes de 2. Et les manches et les épaules, il y aura un point fantaisie. C'est rien, Fifi. C'est un chat qui passe sur le toit. Il y aura un point fantaisie donc sur les épaules et la manche. Enfin, les manches, c'est des petites manches, vous avez vu. Du coup, voilà. J'avais dit, je commencerai pas de nouveau tricot. Je l'avais dit. Mais bon. Mais en plus, il va très vite à faire. Il va très vite à tricoter. Non, je l'aime beaucoup. Ah, j'ai sauté une maille là. Bon, ça y est, je la rattraperai après. J'ai fait un cafouillis. Ça y est, c'est juste sur la... C'est encore sur l'aiguille, donc ça va. Donc voilà. Alors, il faut 10 pelotes. Mais j'en ai que 10. Donc j'espère que ça va aller. Du coup, j'économise le fil. Hein, vous voyez, là, j'ai fait un nœud avec. Je dis comme ça, ce petit bout-là, bah, il me servira pour quand je ferai les coutures. Voilà, j'économise. Je vous montre. Vous voyez. Non, il est chouette à faire. Alors voilà, du coup, bah, j'ai recommencé un pull. Hein. Mais bon, celui-là, c'est un pull de saison pour le printemps, pour l'été. Donc, bah, on va se dépêcher de le finir. Mais il devrait aller vite. Hein. Je vous dis, là, il me reste. Alors, c'est un pull qui ne va pas être très long. Mais comme je n'ai que 10 pelotes, celui-là, je ne peux pas le rallonger. Alors, je me dis que peut-être que je me trouve. Un t-shirt avec une dentelle en bas ou je sais pas, peut-être un petit truc que je pourrais mettre en dessous mais qui dépasserait du pull mais qui ferait pas bizarre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas une chemise parce que c'est pas un pull hein, où on peut mettre une chemise. Jerry, qu'est-ce que tu fais? On peut pas. Excusez-moi, j'ai des bêtises.
Ouais, c'est pas un gilet que, où l'on peut mettre. C'est pas un pull où on peut mettre une chemise en dessous. Voilà. Donc, trouver un t-shirt, mais pas en coton, un genre de truc en satin, ou vous savez, quelque chose de très fluide, mais que je pourrais mettre qui dépasse du pull. Voilà, pour cacher le bidou. Voilà, j'ai toujours le problème du bidou. Il faut que je le cache. Et c'est pareil, c'est ce que je disais à une de mes abonnées, je l'avais dit la semaine dernière, quand je vous ai fait la présentation des deux revues, la Tricot et Crochet. Et pas, il y a l'inflation aussi dans la laine, parce qu'on fait que des pulls courts, raccourcis. On fait que des modèles bah, pour les personnes minces qui n'ont pas des formes qui ne sont pas qui n'ont pas de forme ronde, c'est pulls courts, gilets courts, et il faut penser qu'il y a des personnes qui ont déjà de l'âge. Bon, moi j'ai 60 ans, mais bon, je commence à être dans la tranche aussi que je vais plus me balader en mini-jupe. Hein. Je l'ai pour ainsi dire jamais fait. Il y a des personnes qui ont de l'âge, il y a des personnes qui sont rondes comme moi, il y a des personnes qui, bah, qui n'aiment pas le court tout simplement. Donc arrêtez de faire des pulls, des gilets, des vêtements courts. Laissez-nous cacher nos bidous. Laissez-nous cacher nos hanches. Malgré qu'on dit qu'il faut montrer nos formes, oui, mais non, au bout d'un moment, les formes, on aime bien aussi qu'elles soient là où elles sont, qu'elles restent où elles sont. Voilà. Donc, sortez-nous des revues, des catalogues spéciales rondes. Voilà, il n'y a pas que les minces sur Terre. On est plus nombreux et nombreuses à être ronds que minces. Ça, c'est la logique, hein. Il y a plus de ronds que de masse. Donc, voilà. On va se promener avec des pancartes. On veut des pulls pour les rondes. On veut des pulls pour les rondes. Non, mais c'est vrai. Alors, du coup, celui-là, je ne peux pas le rallonger parce que j'ai pile poil le nombre de pelotes. Et comme cette laine-là n'est plus vendue, ce fil-là n'est plus vendu, à moins d'en trouver quelqu'un qui en aurait d'occasion ou dans une boutique fil d'art qui aurait un fond de comment? Un fond de stock, peut-être. Ça, ce serait bien si je pouvais trouver une boutique fil d'art qui aurait un fond de stock. Il faudrait que je cherche, peut-être, on ne sait jamais. Mais il faut que je trouve dans la même couleur. Pareil, mais bon, voilà. Attendez, juste 2 secondes, hein. Le pipi, ça arrive. Me revoilà. Alors, bah, de toute façon, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, il nous restait à faire le total de mon challenge qu'on n'a pas fait. Alors, j'ai pas calculé, du coup, je vais le faire en vitesse. Plus. Oh, je suis essoufflée. Pourtant, j'ai pas été loin. Est-ce que j'ai rien oublié? Si, non, je crois que je l'ai mis. Ah, bah cette semaine, j'ai pas gagné mon challenge. Cette semaine, je n'ai fait que 2474 croix au lieu de 3000. Mort d'homme. Hein. Voilà, c'est rien. On fera mieux la semaine prochaine. Voilà, de toute façon, c'est un petit challenge que je me mets à moi-même. C'est juste comme ça. Comme je vous ai dit, la broderie, c'est pas une course.
Alors, la semaine prochaine, on prend les mêmes et on recommence à peu près. Donc, on commence un nouveau mois. Donc, il va y avoir bah, le sale des... Oh, je sais pas si vous bougez beaucoup là. Le sale des ours de Noël, les ours polaires de Noël. Il va y avoir... Oui, c'est ça. Alors, en broderie, donc il y aura, alors c'est ce que je prévois, ça ne veut pas dire que je vais tout faire, hein. De toute façon, vous voyez, il y a des moments, je n'arrive pas à tout faire non plus, hein. Les ronds de chez Lanart, les paons royaux de Old Forest, la grenouille de poussière d'étoile, le Bouddha de poussière d'étoile, le colibri de poussière d'étoile et le sale mystère de poussière d'étoile. Voilà. Le toast que j'aimerais bien finir, mais on verra. Le toast de Magic Needle, voilà. Le sale de Julia, mais bon. Il n'y a pas d'urgence pour le sale de Julia, hein, puisque là, j'ai mes 1000 croix à faire sur le mois entier. Donc, si ce n'est pas la première semaine, ce n'est pas grave. Ma maison météo, bien sûr. Le sale du Nouvel An. Alors, le sale du Nouvel An, finir mon étape de ce mois-ci et commencer celle du mois prochain. Comme le colibri, il faut que je termine l'étape de mars. Et après, il faudra que je commence celle d'avril. Mon estampé, donc bah, comme vous avez pu voir, ce sera le cheval bah, dimanche soir. Et si j'ai envie de faire un peu d'estampé dans la semaine, ce sera les lapins. Voilà. Ensuite, les HAED. Alors, je ne sais pas. Bon, il y a toujours le paysage japonais, la steampunk. Mais je ne sais. Alors, je vais. Très certainement, je vous dis mettre une roue en place pour les grandes broderies, les HAED, pour choisir. Voilà. Il va y avoir également des vidéos avec les HAED. Hein, ça, je vous l'avais dit, je ferai des vidéos. Et là, maintenant, j'ai l'HAED du chat que j'ai acheté aujourd'hui, qu'il va falloir que je prépare. Donc, ça, ce sera en préparation. Je ne vais pas le broder cette semaine, c'est impossible. Voilà. De toute façon, il me faut un cadre, un cuisnap ou un métier à broder, voilà, en bois. Donc les HALD, bah, on verra comment la roue va tourner. Donc, et en tricot, eh bien, il y a le pull Armel, c'est-à-dire le nouveau pull. Continuer mes manches de mon pull camionneur, le pull débardeur de chouchou et mon pull fil d'art. Donc ça c'est pareil. Je pense que je vais faire des roues pour chaque truc. Une roue pour les tricots. Et chaque soir, ben, je ferai tourner la roue pour savoir quel tricot je fais. Je vais faire une roue pour les HAED. On a déjà fait la roue pour les estampés. Et peut-être faire une roue pour... Alors, en dehors des salles, puisque les salles... Ouais, les salles, c'est encore une chose à part. Et refaire une roue peut-être pour les broderies. Ça va me faire beaucoup de roues, vous allez me dire. Mais ça me fera peut-être avancer un peu plus vite. Enfin, je ne veux pas avancer vite. Comment je peux vous expliquer? Je veux avancer, tout simplement. Voilà, c'est pas une course, mais je veux avancer. Il y a des broderies que j'aimerais bien terminer quand même. Bon, la carotte, hein, là, il y a la carotte, le toast à l'œuf. Ces deux-là, je voudrais les terminer. Et après, celui qui je voudrais avancer max aussi, c'est le Bouddha. Voilà, mais bon, on va voir tout ça. J'ai plus de voix. Je vais voir. Et là, comme je recommence un nouveau mois, le mois d'avril, et c'est un nouveau trimestre également.
puisque là, on vient de passer 3 mois, hein, on change de trimestre. Donc, j'ai envie de changer un petit peu ma façon de faire. Voilà. Donc, tout ça, je vous en reparlerai la semaine prochaine, dimanche prochain. Et je vous dirai si j'ai mis des choses en place, si j'ai changé certaines choses. Désolée, très très vite, je n'ai plus de place dans mon téléphone. Je viens d'être coupée, j'ai vidé quelques petites choses rapidement. Donc du coup, bah, écoutez, je vous ai dit, on voit tout ça la semaine prochaine, si j'ai fait une nouvelle mise en place, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle a été très très longue aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. Voilà. Et en attendant, nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.